Est-ce que c'est vrai qu'un journaliste qui travaille pour barbecue? Jean que en pile et journaliste deal, eh bien, t'as semblé que un journaliste qui a écrit pour barbecue, le noué barbecue a fait de longs et discours, eh bien, c'est un journaliste qui a écrit pour barbecue. Eh bien, je dis à la, m'a permettre de nous tendre. Journaliste yo plus indexé comme c'est monsieur qui c'est porte-parole barbecue en plus c'est monsieur qui a écrit discours pour barbecue. Mes amis, ça tape grave en pile si c'est vrai, si c'est un journaliste qui a écrit pour barbecue. Pas oublier barbecue son bandit et me pensais que tout pour une nèg qui bail pays a plus problème c'est barbecue. C'est monsieur qui t'est bloqué Gaza qui fait que gaz là t'est bloqué mais plus ou moins commencer gain gaz dans pays. Et bien bon ben temps des journalistes ça qui défendre tête li. Lycée ou médiateur entre Premier ministre là, et groupe armé. Ça veut dire que son bail volontaire, ça veut dire gouvernement Premier ministre d'accord, groupe armé d'accord, et pour faire ça, il faut rencontrer tous les deux. Maintenant, ça passe. Comment tu as fait travail pour le gouvernement et mal dénoncer les négociés? C'est une aberration. Comment tu as fait travail pour le groupe armé et mal dénoncer que le négocier avec le gouvernement, ça n'a pas de sens. L'homme, j'ai une opportunité pour me parler, et l'homme, pas pour me parler, me fait silence. Donc, ça n'a pas de sens. Et puis, tout pour mon niveau, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis travailleur social, je suis juriste, je suis dans la presse, tout. Donc, ma bataille. Donc, c'est un point catastrophique. Ça veut dire qu'ils sont en installation lundi, ils sont qui ont la mi-longue. Il a fait médiation de groupe Mounzaïo et puis il vient en ligne publique. Et puis si je besoin de ligne publique, la presse locale, je cherche et je côté pour me joindre. Qui rapport avec CNN? Qui contacte avec le journal? Et puis, moi, je vois un article là-bas. Je viens faire une interview, pendant que je fais une interview à monsieur, je dis monsieur, monsieur dit que vous êtes médiateur entre gouvernement et groupe armé G9. Normalement, expliquez, me dit attention, posez. Nous avons une proposition de sortie de crise, nous commençons à travailler sur l'île, nous rencontrons plusieurs personnes, nous parlons à plusieurs personnes. Soit pas les deux personnes qui peuvent monter sur les réseaux sociaux depuis deux semaines. Je dis non, ce n'est pas important. Ça va être important, nous lions déjà. Ce qui est important, c'est que va ouvrir la Kounia. C'est ça qui intéresse nous. Nous estimons faire un bon travail. Du chef là, il déplace, il va déplacer, il va des documents qu'on a déposés dans des instances internationales. Il dit non, les instances internationales, ça a été au courant. C'est lui qui dit nous contacte. Je dis, bon, pas de problème, posez une question. Monsieur demande nous qui sa gouvernement bail. Nous dit à le gouvernement par la parole, parce que nous ne pouvons jamais faire négociation. Il demande qui ça, G9 demande. Je dis, mais pas faire partie de G9, je vais faire négociation, à le poser une question. Et puis, je me dis, si vous demandez ça, partie construire la vie, fait, je parle de lui, je vais expliquer. Et deuxièmement, je me dis, comment parler de G9? Il y a un monde dans G9 qui c'est Jimmy Chérizier, ancien policier. Ce qu'on dit publiquement pendant deux semaines, dans la conférence, dans tous les médias, que je connais Jimmy Chérizier, par exemple, qu'un haïtien ni blanc qui a empêché de me citer non, monsieur. Et si le téléphone, moi, je me dis ça déjà. Pas qu'un monde qui a empêché de me répondre, si je besoin, monsieur, pas qu'un monde qui a empêché de me parler avec. Je connais mes droits. Nous sommes haïtiens sans frontières. Capacité, connaissance, mais pas pour le pays d'Haïti seulement. Et je pouvais déjà. Donc ça veut dire que je mettais au service du parti, je mettais au service de la société. Et je suis un rare monde par rapport à la spécialité qui a fait face à stress, qui a participé et aidé à la gestion de la crise. Donc en ce sens, je dis monsieur que nous parlons avec Jimmy Chérizier moi-même particulièrement. Et moi, je dis tout ça, je dis dans le document. Puisque 4 millions de personnes parlent de l'école depuis 2 mois, l'hôpital n'a pas jamais été dans la ville déjà. Donc ça veut dire que ça n'a aucun sens. Donc, un laboratoire, justement, dans l'enquête, nous allons découvrir qui, justement, manipulait les médias internationaux et utilisait les médias locaux qui sont les médias en ligne. Nous n'avons pas gagné les médias en ligne, des livres rétractés, ils ne peuvent pas publier des textes, ils ne font pas. Nous n'avons pas gagné avec, mais comme c'est vérité, nous venons de nous. Nous n'avons pas la vérité, excusez-moi, que nous avons obligé de le citer non tout à l'heure. Donc maintenant, moi, je voulais faire la presse la comprendre. Nous avons tous les réseaux sociaux, deux premières semaines, je travaille pour le gouvernement. Je suis conseiller en communication. Deux premières semaines, je travaille pour le gouvernement.
brusquement un article paraît qui dit et dénoncer oui si me viens dire négocier et ma contre précision capitale là le mot négociation est un beau mot mais espérer haïtien apprendre lire apprendre écrire yo développer capacité développer réflexion pour pas prendre négociation comme un bagage négatif en Haïti à l'étranger j'ai reçu des formations en méthode de gestion de conflit et dans 20 dernières années c'est pas qui développé et c'est ça qu'a fait à travers le monde l'ONU résout un pile conflit l'OEA résout un pile conflit et il y a des experts en résolution de conflit même organisation de droits humains qui te sont mettre un parti politique qui a fait l'obéir formation c'est pour résoudre conflit c'est pour ou pas de contre personne donc si ça t'arrive le parti construit la vie docteur Harrison Ernest psychiatre de son état spécialiste de comportement travailleur social juriste à un parti t'as estimé par rapport aux risques aux conséquences de sa capacité en Haïti à la faut yo t'a prêté support yo concours yo pour faciliter une négociation entre des parties ou entre deux parties pour sauver la vie moun pour faire l'hôpital fonctionner pour faire centre de fabrication oxygène rouvrir pour moins leader politique mourir après Éric Jean-Baptiste pour gaz retourner dans fond pour pays à fonctionner même si c'est entre guillemets j'en dis avant comme si méchant pour ça comme si mérite de mourir comme si pour haïtien qui en pile là de ces vols là criminel assassin magouille corrompu négocier veut dire c'est pas bail l'argent dans même connait dans petit dictionnaire ça écrit négocier veut dire bail l'argent voilà la dénaturation culturelle qui gagne dans mentalité nous dans comportement et m'inviter la presse très prudent face à manipulation ça yo là même si on monde t'assure la médiation d'un conflit même si on monde t'a négocié un conflit ça pas veut dire c'est matériel finance qu'al séparé ça n'a pas de sens mais là encore c'est pas de ça même te vle printemps pour m'expliquer la presse là encore c'est pas ça m'a jamais te médiateur en deux parties pour médiateur en deux parties faut deux parties d'accord et faut mettre deux parties au chita ça veut dire un rapport physique maintenant le vendredi 4 novembre nous recevons un appel de CNN et nous en phase transitionnelle vers où aller mieux et c'est normal tout bouleverse ça yo et c'est normal sous pas li sous histoire pays d'Haïti sous pas faire histoire comparer ou pas comprendre que en pile pays passé par étape ça yo ou pas comprendre l'histoire pays hein divers groupes que n'a constaté attaque a fait sous l'autre accusation bah ça yo habitué fait déjà et au fait sinon des salines pas d'amour 17 octobre 1806 après li fin fait gros travail ça. Merci un peu là nous tous qui répondent à l'invitation aujourd'hui pour une deuxième fois. Et laissez-moi nous remercier un spécial grâce à nous. Première attaque qui t'a fait sur nous, 50% est tombé. Il est tombé et nous allons voir ça très clairement. Grâce à la presse, publication de documents, présentation de documents, nous allons faire une série de détracteurs ici, avec ça qui cherchent asile politique dans l'autre pays, qui travaillent pour une série de monde qui a voulu comme Bayo. Mais 50% là-dedans est tombé. Nous prenons compte dans le premier temps accusation que tu as faites sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Tu as fait partie consulat vie passée comme parti ou groupe armé, alors que le parti a gagné 5 ans depuis qu'il existait. Dans le deuxième temps, nous avons sur les réseaux sociaux, Harrison Ernest, président parti, c'est porte-parole et conseiller en communication groupe armé. Ou encore, c'est conseiller en communication, ancien policier Jimmy Cherizier, qui a mené groupe armé ça, qui c'est G9. Et nous t'ai fait près de 2 semaines en silence, pas répondre, pas réagir. Nous avons démontré notre maturité et nos capacités en termes de responsable politique, en termes de dirigeant d'un jeune parti politique. Nous pas de gens répondre. Mais l'un pas de gens répondre, nous t'a réfléchi, nous t'a mené enquête. Maintenant, si vous faites passer comme porte-parole groupe armé et porte-parole conseiller en communication chef groupe armé 1, ou fait nous passer comme moun qui travaille pour le gouvernement, pour le Premier ministre Ariel Henry, parce que nous avons rencontré avec elle mercredi 26 et nous remettons un document très clair, très simple, que nous avons apprécié, que nous avons classé parmi le document pour le cabinet de travail sur eux. Comment, après l'article CNN, nous avons un discours contraire
ou fait nous passer comme groupe qui travaille pour un groupe armé. Ou fait nous passer comme groupe qui travaille pour un premier ministre. Et comment nos articles qui prennent le barrette, article CNN, libéral dit que